Eh bien salut tout le monde, c'est Kermano, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le pro de Super Mario Party Jamboree. N'oublie pas de laisser plein de pouces vers le haut, commenter, partager, t'abonner et let's go. Alors avec qui va-t-on jouer cette fois? Koopa, j'ai jamais joué, vas-y, c'est le dessin qui a décidé. Donc je vous rappelle quand même que nous sommes pas forcément à la recherche de gagner des parties, même si là pour le coup il faut, mais à la recherche de réaliser les exploits du jeu. Le mode pro est un nouveau mode de jeu avec des règles un peu compétitives. Oh merde, compétitif si on veut, attendez, faut que je prenne en photo les machins. Et donc en fait le truc c'est que là, il me reste plusieurs missions à faire et trois exploits à faire sur le mode pro. C'est gagner déjà, ce serait pas mal. Et aussi c'est d'avoir 4 étoiles dans la besace et 7 étoiles dans la besace. Besace, ça, on dirait tellement un vieux mot. Mais ouais, 7 étoiles ça risque d'être compliqué parce que la partie ne dure que 12 tours. Donc, je sais pas quelle est la stratégie à adopter. Si vous avez des tips, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Mais ça me paraît compliqué. Oh, c'est lui le dernier, trop nul. Quel plateau je vais prendre? En vrai, c'est un peu compliqué hein. Genre, pas les plateaux. Circuit déjanté, la difficulté a pas l'air d'être si élevée. En fait, ce qui me fait peur, c'est vraiment le bout. Parce que, genre, je peux. Vas-y. Ça va être le bout, le problème. Ça, c'est pas très très grand en vrai. Le problème du bout, c'est vraiment que. Bah, genre, vu qu'il te vole les étoiles. Enfin, Ouais, bah ouais, et qu'on gagne plein de pièces, c'est compliqué, hein. Bon, bref, dans tous les cas, il faut que je remette, je sais même plus qui, ceux sur lesquels je suis déjà tombé, lui. Et ouais non il m'a jamais donné de pièces. Luigi, ah bah il est là, très bien, ça marche comme ça. Alors, je choisis de commencer avec l'objet que je veux. Et pouvoir appeler. En fait il faut que j'achète. Vas-y, il faut que je prenne le téléphone parce que comme ça je peux appeler le tuyau doré. Enfin aller acheter un tuyau doré. Et genre ça me paraît être la meilleure chose à faire d'acheter un maximum de tuyaux dorés au début. Même si je peux pas acheter les étoiles. Bon c'est le premier plateau qu'on a fait au monde sur ce jeu. Donc ça va, on connaît. Bref, vous connaissez les règles, hein, j'imagine. Sinon, faut voir la vidéo précédente. Mais il n'y a pas énormément de choses qui changent de toute façon. Donc, vas-y, faut pas que je sois dernier. Hein. Je ne suis pas dernier, mais je suis quand même extrêmement mal placé. Toadette. Ah non, non, c'était pas moi la dernière fois. Moi, j'étais Toad. Toadette, c'était Adama. Vas-y, 10 pièces cadeaux, très bien. Il y a une boutique pas loin. Mais faut pas qu'ils achètent les trucs super. Bah, attends, mais elle est juste au début là. What? C'est quoi ça? Après ils peuvent perdre les mini-jeux hein, donc bonus de la tortue. Non mais c'est trop nul. Vraiment les trucs tout pourris. À celui qui avance le moins. Après je peux essayer d'avancer le moins. Mais de toute façon je sais pas si ça compte comme étant dans la besace l'étoile que tu gagnes à la fin. Début du tour. Pouf, c'est chaud hein. Vraiment les 7 étoiles genre en récupérer, en voler. C'est ça qu'il faut faire hein. Mais surtout ne pas s'en faire voler. Et ça c'est compliqué ne pas te faire voler d'étoiles. Genre les gens quand tu vas arriver sur le bout ils vont voler c'est tout Bon bref, ah ben c'est pas à moi. Faut avoir un bon camarade de Jamboree aussi. Comme ça tu peux acheter 2 étoiles. En vrai c'est vrai que si je stocke les tuyaux et qu'après je les utilise. Ouais en vrai hein, ça peut être la strat. Je peux rafler 4 étoiles comme ça assez rapidement. Mais 4 c'est toujours pas suffisant. Vas-y. Bon. Je pouvais pas acheter le tuyau et d'ailleurs je pense que je vais rien acheter. Rien acheter et récupérer un double D. Non merci. Eh parce que je vais gagner le mini-jeu là, c'est sûr non. En fait j'espère juste que ce sera pas un truc en équipe. Bon vas-y dédouble, dédouble. Parce que là je peux l'acheter cette étoile. Après les autres vont se barrer, ils vont aller chercher les étoiles ailleurs. Et moi je reste là. Faut que personne n'ait 20 pièces. Ou 25 surtout. Voilà, fais ce que tu veux. Ah mais lui il va prendre les 10 pièces. Je pense. Eh non merci, on s'en fout, allez allez. Et là si j'achète une étoile directe, c'est ricrac après pour avoir de l'argent. Bah faut gagner tous les mini-jeux. Les mini-jeux doubles et tout. Des doubles? Ah ouais? C'est pas la stratégie que j'aurais imaginé, mais pourquoi pas. Et il a acheté un sifflet à Ultra Chomp. Ah c'est pas très sympa ça. Bon. Surtout qu'il va l'utiliser au pire moment, c'est sûr. Mini-jeu. C'est en équipe, oh non. Après, ouais, on s'en fout. Je sais plus comment ça marche, ça. C'est genre, il faut pédaler comme ça. Bon, ça va le dire, non? Horizontal. Ah, mais non, ça dit pas, hein. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça ne précise rien. 3, 2, oula. 1, parce que t'as la première fois que j'ai fait, j'ai perdu, hein. Je crois que c'est ça, ouais. Je vais trop vite, en fait. Vas-y. Là, faut que j'accélère, parce que là... Vas-y, vas-y. Mais Luigi!
je me prends le poisson, c'est un peu con. Allez, allez, allez. C'est à moi. Ouf. Je comprends pas, il est complètement débile, c'est quoi ça? Bon, je peux acheter l'étoile, merci. J'ai eu peur quand j'ai vu la gueule du mini-jeu. Mais ça veut dire qu'il n'y a même pas Plessis dans le jeu, en fait. Il y a des pédalos Plessis, mais il n'y a pas Plessis. Après, c'est pas grave. Plessis est souvent dans les Mario Party. Le fait que ce soit un peu en pédalo, en plus, ça veut dire qu'elle existe encore. Genre, ils auraient pu l'oublier, la supprimer. Ça aurait été triste. Un camarade de Jamboli maintenant. En vrai, ça aurait été rêvé, mais bien sûr, le jeu n'est pas de mon côté pour ça. À toi, Toadette. Oh, je vais jouer le double D. Ah, mais est-ce que j'arriverai jusqu'à bout? Si j'arrive jusqu'à bout, c'est banger. Ça, je vole des pièces. Non, ça serait incroyable. Ah ouais. En vrai, ce serait la meilleure strat. Vas-y, vas-y. À toi, Bowser Junior. Parce qu'en fait, Boo, il embête vraiment tout, hein. Le fait qu'il soit sur le terrain, ça... en fait, il faudrait jouer sur un terrain sans Boo. Parce que 15 pièces volées, c'est trop. Ouais, il va arriver au bout, très bien. Heureusement qu'il a pas fait plus, mais il pouvait pas faire plus. Mais ouais, sinon, il me l'aurait volé. J'aurais pas pu acheter l'étoile. Donc là. Ok. Je sais pas combien il faut que je fasse pour Boo, mais pas mal, j'imagine. Parce qu'en plus, le tour prochain, on va me les voler, mes pièces, donc 7, 7, 7. Ah. À voir, hein, ce qui est le plus avantageux. En vrai, je suis obligé d'aller à bout. Parce que si je vais pas à bout, on va pas me voler de pièces. Vu que j'en ai pas. Enfin, c'est pas moi qui en aurai le plus, donc en effet, en effet. Félicitations, Koopa. Ah ben non, mais il pourra pas. Il y a la marée haute. Elle est où, là? J'ai pas vu. Ah, juste là? Ah bah dommage. C'est trop bête. Tant pis. Il va jouer à sa position. Vas-y. Mais il faut absolument que je vole à Luigi. Parce que Luigi va peut-être se retrouver bloqué sur l'île. C'est pas sûr, hein. Mais s'il se retrouve bloqué sur l'île, il pourra acheter le tuyau doré. Bah ouais, gratuit. Et à Luigi, bien sûr, les autres, ils en ont pas 15. Voyons, pourquoi ferais-je ça? Hein? Oh! Non, non, non! J'espère que ce sera pas Donkey, le camarade de Jamboli. Parce que Donkey, je sais pas si vous savez, mais il te téléporte sur une case au hasard au début de chaque tour. J'en ai besoin pour l'exploit, mais... j'ai pas envie d'être téléporté sur une case au hasard sur ce plateau-là. Il y a peut-être des moments où ce sera utile, mais globalement... oh non. Oh! Moi, j'ai plus de double D, mais c'est pas mal. Surtout qu'en plus, je suis bien devant. Oh, bah c'est très bien. Des Goombas dorés, yes! Ah, ça fait plaisir! J'aurai bientôt 25 pièces. Des doubles. Comme ça, je récupère un max de Goombas dorés. Et si je gagne le mini-jeu, j'achète un tuyau doré. Mais si je gagne le mini-jeu, genre, si je gagne le mini-jeu, mais je vais le gagner! Je me prends pour qui? Bien sûr que je vais le gagner. Et comme ça, vous aurez pas le bout vu qu'il y aura marée haute. En fait, c'est le bon terrain! J'avais pas vu les choses comme ça, mais c'est le bon terrain. Parce que Boo, une fois sur deux, il est pas là. La moitié du jeu, il est pas là. Donc c'est nickel. Bonus! Oh, let's go! Parfait, parfait. Ok, en plus, chacun pour soi. Ouais, comme vous voulez, hein. De toute façon, je pense que je vais gagner. Ah, ça, je veux bien parce que, en fait, ça débloque un succès. Bon. Ah, bah oui, oui, oui. Faut finir en moins de 25 secondes, je crois. Mais attendez, comment on fait déjà? Genre, on appuie sur le bouton et après on tape. Je sais plus. Ouais. Ok, c'est ça. 2, 1, vas-y. Merde. Ouais, c'est moins de 25 secondes, j'étais pas loin. Ok. Non! J'y arriverai peut-être pas. Hein. En chargeant au max, je vais y arriver de toute façon. Vas-y, 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 et... yes! Donc ça fait un nouveau succès? Succès des mini-jeux? Attends, c'est peut-être moins de 20 secondes, hein. Non, attendez, attendez. Yes! Une aventure de 30 ans? Et vous savez pourquoi ça s'appelle une aventure de 30 ans? Bah parce que moi, j'en sais rien du tout. Pourquoi? Il y a quoi qui est sorti il y a 30 ans? Un jeu... j'ai pas compris. C'est un rapport avec Mario? Il y a un jeu Mario de charpenterie qui est sorti il y a 30 ans? Parce que Donkey Kong, c'était il y a bien plus de 30 ans. Donc je sais pas. Yes! Ah, nickel. Bah écoutez, non, non. D'abord le double D. Comme ça, au moins, je rafle les Koopas. Bah en plus, il y a une boutique. Ah bah c'est parfait. C'est parfait. Marée haute.
Adieu Bowser Junior. Il va se retrouver bloqué là où il y a l'étoile. Bon, tant pis, c'est pas grave, hein. Ah, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que par contre, quand ils partiront d'ici, ils pourront voler une étoile. Hein. Bah après, ils gagnent pas de pièces, donc faudrait déjà que... S'ils ont pas assez d'argent pour acheter des pièces, ils auront certainement pas assez d'argent pour voler des pièces. Enfin, voler des étoiles. Bon, allez, votre tour, il sert à rien, hein, vraiment. À moins que tu tombes sur la tyrolienne, sinon... Ah, mais ça va nous arrêter à chaque fois. On a compris la première fois que t'avais pas assez de pièces. Ça ne sert à rien d'insister. Ah, mince. Il peut se téléporter chez moi. Je n'espère pas, mais c'est possible. Ok, bon. Comme je dis, cette partie est très très bien partie. Tout dépend du fait qu'il faut que j'ai le camarade de Jamboli. Si je l'ai, je pense que c'est gagné. Ah non, un peu plus que ça quand même. Ah. Pas ouf, hein. Bon, moi j'arrive à la boutique. Oh non, casse malchance. Je crois qu'on donne des pièces à la personne qui est dernière. Vas-y. Yes, de rien. Parce qu'il faut que j'ai le camarade de Jamboli et que j'ai assez d'argent. Il y a ça aussi. Et avoir 40 pièces, c'est pas un truc que t'as en un tour. Parce que là, je donne 7 pièces à qui? À Luigi? Ouah, ça va. Enfin, lui donner des pièces, je m'en fous. C'est surtout en avoir perdu que je m'en fous, moi. Oh oui! Un jour 100, yes! Mais j'ai un nouveau succès aussi, un jour 100. J'avais oublié. Ah là 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 là, let's go! Mais on sait que vous êtes bloqué là sur la même case à rien pouvoir faire à part vous toucher. On a compris. Pas la... Mais en plus, ça va durer 2 tours. 2 tours. Si c'est pas un mini-jeu pièce, personne ne pourra acheter l'étoile. Ça va être la même chose avec le dialogue qui va se répéter en boucle. C'est un jour sans fin. Hein. Mais j'espère que le perso il a pas. Oh, ok. C'est rare. Non, non. Le truc des photos c'est de la merde. J'aime vraiment pas. Ça me saoule. Et Koopa qui avait bugué la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez. Parce que là, c'est moi Koopa. Alors, c'est devant. Bon, c'est l'autre banc là. Voilà. Ah mais mince, c'est quand Wiggler passe. Attendez, je suis trop... Ah c'est là. Ah c'est un peu avant, je pense. Mais je suis bien, non? 88, ok. Les autres, ils sont trop trop nuls. Attends, ça veut dire que si dans les 3 manches, s'ils font ce nombre de points, ils me battront pas en fait. Corde à sauter, corde à sauter, corde à sauter. Mais pas cette corde à sauter là. Ah, pas celle là non plus. J'ai failli me faire avoir encore. Par contre, il y a que le gars qui est devant, il est pas là. Ok. Au moment où la corde elle était en haut en plus. Je suis mauvais pour le cadrage en fait. Mais donc là, si je joue pas, je gagne quand même en fait. Dernière manche. Le masquage jaune. Ah. Je vois, mais c'est au moment où le masquage jaune il passe en fait. Le cadrage n'est pas très bon. Mais au moins j'ai eu le masquage jaune et je sais pas s'il faisait le tour, hein. S'il y a moyen qu'il fasse le tour au moins 2 fois. Ouais. Mais j'aurais pas beaucoup de points, hein. J'aurais 50 points ou 60, je ne sais pas. Là il s'en est mieux sorti Luigi, hein. Non? Pourquoi? Je sais pas comment ils calculent leur truc, mais c'est étrange, hein. Mon camarade de Jamboli. Déjà là la marée elle baisse. Et maintenant camarade de Jamboli, s'il vous plaît. J'en demande pas tant là. Si c'est Wario en plus, regagner des pièces au début de chaque tour, c'est... Ça régale. Début du tour. Ouais. Comment ça? Ah bah oui, mais non! C'est encore la marée, mince. Ils vont tous me voler des pièces. Vous allez voir. Ça, je le sens trop venir. Ouais, vas-y, 10 pièces. Ils vont pas tous me voler des pièces, parce que peut-être que quand l'un aura volé, comme il en aura plus que moi, il fera plus en fait. Maintenant, de toute façon, je vais acheter un autre tuyau. Comme ça, on pourra, bah, si, on pourra pas voler de pièces. Enfin, on me volera pas de pièces, j'en aurai pas assez. C'est bon, j'ai la strat. Mais j'ai qu'une seule étoile, hein. Alors, vas-y, téléphone d'achat. Allô, oui, moshi moshi. Voilà, je suis ruiné. Ah bah non, mais je vais récupérer les Goombas aussi. Donc je suis temporairement ruiné. Donc peut-être qu'il y en a un qui me volera des pièces, mais c'est même pas sûr en fait. Tu veux pas tomber sur une case rouge? Vas-y. Ah merde. Ok. Ouais, parce que la priorité, je pense que c'est de voler à Bowser Jr. en fait.
Ouais, bon, peut-être me voler une fois, mais bon, à voir. Ok. Ah ouais? Vraiment? Mais pourquoi tu fais ça? Je comprends pas trop la stratégie, mais pourquoi pas? Surtout que... Bah non, il la rapproche pas de moi, parce qu'au prochain tour, c'est marée basse, mais... Pourquoi pas? J'imagine qu'il y a un intérêt. Je ne le connais pas, mais... Il y a 10 pièces. Bah surtout que t'aurais pu l'acheter au prochain tour, en fait. Bah, t'aurais pas été le seul. Bowser Junior aussi aurait pu, mais... Tant pis. Mini-jeu! Non, mais je vais le gagner, donc comme ça, on va me voler des pièces. J'en ai autant que Bowser Junior. Ouais, non, ça va. Non, je veux pas auto-tamponneuse, c'est nul. Je déteste ça. Ok, plateforme péril. Ah, mais y'a moyen de gagner trop de pièces. C'est bien et pas bien, vu qu'on va me les voler. Mais arrête. Ok, y'a autant de pièces, on s'en fout. Ouais, eux, ils gagnent rien du tout. Mais bon, en fait, là, je suis en train de gagner des pièces pour eux. Hein. Je reprécise. Au cas où vous auriez oublié. Mais vraiment clairement hein. Ok, let's go. Ouais, 31. Si on me vole deux fois, bah j'aurais perdu toutes mes pièces que j'ai pris. Oh là là. C'est dommage, parce qu'en fait, genre là je joue bien, mais le bout. Ah, après j'ai repoussé le bout hein. Genre à un moment ou un autre, fallait bien qu'il tombe dessus. Toadette, elle va se TP à mon avis. Pas sûr. C'est la case d'un autre joueur donc pas sûr. Elle est où la Toadette? Non, ils vont pas me voler tous les trois quand même. Oh, les gommes dorées sont partis, mince, j'en avais besoin. Il y a une toile juste à côté que je pourrais peut-être acheter. Et camarade de Jamboli là. Non? Si? Ah, c'est un peu loin. Elle fait quoi elle déjà? Ah, elle donne un objet. Oh, c'est bien. C'est bien. Elle donne un objet au début. Par contre, faut réussir à aller jusqu'à elle. Ce qui serait pas mal, c'est qu'une étoile apparaît juste à côté. Comme ça, je m'y TP. Mais je crois pas qu'une étoile puisse apparaître genre vraiment là. Si, si, c'est possible. Bon, faut qu'une étoile soit achetée à ce tour. À toi, Toadette. 10, 9. Voilà, les katas arrivent. Surtout que je reste encore la cible de prédilection après. Hein. Bah ouais, hein. En fait, ce que je me dis, c'est que ça se trouve, j'aurais pas 20 pièces pour acheter une étoile. Même s'il la déplace, j'aurais peut-être pas assez. Mais c'est chiant, genre je joue bien. 32, bah oui, ça veut dire que c'est toujours moi qu'on vole. Oh, peut-être elle. Attendez, non, ça va peut-être être elle. C'est elle qu'on a le plus. Mais en fait, techniquement, je suis premier. Donc je sais pas ce qu'ils vont choisir. Ah bah non. Et ça va toujours être moi qu'on va voler. C'est relou. Parce que là, elle passe premier. Elle va passer premier avec le vol qui va être fait. Yahi! Super, je m'en fous! Je la hais! Félicitations, Toadette! Surtout qu'on est bientôt à la moitié, c'est une dinguerie! Ah bah, c'était pas là où je voulais. Pas du tout, même. Faut qu'à la boutique, j'achète un truc qui me permette d'accélérer pour vraiment aller chercher Harmonie. Parce que là, si je l'ai pas à ce tour, faut que je l'ai au tour suivant. Hein. Jette ça, vas-y. Faut pas qu'il fasse assez, par pitié, ou un. Hein? Ok. Bah, ça me va. Ça me va très bien. Mais non, il va y avoir les pots debout. Les pots debout, ils vont m'embêter. Enfin, ça se trouve, non, il va y avoir les Goombas dorés, mais bon. Ok, ok. Allez, accélère. Les Goombas dorés. Ok. Enfin, après, l'autre, il va tous me les voler. Ah oui, il va en voler pas mal en plus, il a fait 10. Ok, 20 pièces comme ça en un tour, ça te... Il a 50 pièces. Il y a des news qui font pas beaucoup rire là. Genre... Mais pourquoi il joue autant le sifflet, je comprends pas bien. Bon bref, c'est pas grave. M'en fous. Pas besoin de me narguer comme ça là. Si je vais acheter l'étoile, je perds trop de temps, je pense. Si. J'arrive à la boutique, c'est tout ce que j'espère. Même pas. Même pas. Oh là là! Peut-être que Bowser Junior l'aura au prochain tour. Sinon, on l'aura avant qu'elle parte, mais ça repousse à chaque fois l'échéance. Oh oh. Ah ouais? Mais attendez, au prochain tour, il va aller chercher le bout ou pas? Après, s'il cherche le bout, c'est plus moi qui l'attaque. Bah si, peut-être parce que j'aurais gagné des pièces d'ici là.
Bah, je sais pas, c'est bizarre. On va voir. Mais je les approche tous des 50 pièces, ça me va pas du tout, hein. Okay. Pas les boules, pas les boules, pas les boules. Ok, c'est bon. C'est les boules, je sais pas trop comment tu fais pour éviter. J'ai jamais été dans la position d'être dans une boule, donc je ne sais pas. Alors. Yes. 3, 2, là, si vous êtes pas trop con, normalement, elle gagne pas. Hein. Ah. Gênant. Il est hors de question que les ordi la fassent gagner. Ah. Il va en être très question. J'ai joué de manière excellente. Je me suis jamais fait toucher. Même pas presque. Bah ouais, mais là en fait, donc c'est du hasard quoi. Je perds sur du hasard. Merci. Merci le jeu. Parce qu'il me faut 40 pièces aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Comme ils ont l'air blasés mes persos. Bah là j'en ai 40. Mais j'ai pas de camarade de Jaboli. Here I go. Je sais même pas si avec ce que je vais acheter, j'aurai assez pour aller. Enfin, je vais réussir à l'avoir, j'espère. Hein. Bah téléporte-toi à Bowser Junior, je t'en supplie. NON! C'était la pire chose qui pouvait arriver. Vraiment la pire. Faut pas que tu fasses assez pour aller sur bout. Je t'en supplie. Bah elle en fait largement assez, hein. Après elle vole Bowser Junior, on est d'accord. Je te surveille, hein, j'étais à l'œil. Il faut que le prochain mini-jeu soit un mini-jeu double pièce. Et que j'arrive à avoir Harmony. Sinon c'est mort, j'aurais pas les 7 étoiles. Parce que je vais la gagner la partie, là, y a aucun doute. Avec mes deux tuyaux dorés, y a aucun doute. Mais c'est pas ça le problème. Oh! Ah oui! Je rafle toutes les pièces. Par pitié. Beaucoup. Genre 25. Ah c'est 20? Ok, d'accord, ça me va. Donc là, c'est pour 80 pièces. Oh non. Oh non, 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 non. Je me prépare, mais ça, je suis nul. Non. Je suis nul, mais peut-être pas plus nul que les ordi. En fait, je suis plus nul qu'Adama. Mais que les ordi, je sais pas. Je suis où? Ok. Allez. Vas-y. Ok, tous les deux. Bon, je suis bien là, non? Ok. Ah, j'en ai loupé aucun, ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Je sais pas si ça va continuer, mais... En fait, faut garder le momentum, et ça, j'ai du mal, mais... Ok. Ah ouais, non, mais attendez, là, y a pas photo, quoi. Merde. Bon, j'en ai loupé, c'est pas grave. Vas-y. Ouais, bon. Attendez, mais le fait que les autres soient tous à égalité, ça fait que je vais gagner plus de pièces ou qu'ils vont gagner plus de pièces? Parce que là, je sais pas. Ils ont bien tous fait 4. Il y a peut-être un qui a fait 5 à la fin, j'ai pas vérifié. Ah, j'espère que c'est moi qui gagne plus de pièces. Hein, et qu'ils sont pas tous considérés deuxièmes. Oui. Ah ouais, ah oui, ah là, on parle. Ça a rendu à César ce qui était à César. Mais par contre, on va encore me voler... Enfin, Luigi va me voler des pièces. Tant pis, de toute façon, on peut pas... Enfin, genre, on le sait, hein, c'est le jeu. Va chercher Harmony. Oui! Oui. Ça fait qu'au prochain tour, elle va me donner un objet, en plus. Toi, tu l'as. Ah bah non. Ah non! J'avais oublié son existence. Ah, j'ai cru qu'il me volait une étoile, j'ai pas compris ce qu'il disait, mais ok. Bon. Ah, c'est trop dommage de pas être arrivé à Harmony. Je suis vraiment dégoûté. Au prochain tour, il l'aura peut-être, mais dans le doute, il faut que je prenne un champi. Et même avec un champi, j'arriverai pas à la rattraper. Bon, là, par contre, Luigi, tu déconnes pas, tu voles à Bowser Junior. Hein, il a beaucoup plus de pièces. Oh. Ok. Ouais, il est temps de commencer, hein, très bien. Là, j'ai de la chance. Hein. Enfin, j'ai de la chance, j'ai pas encore gagné, hein, mais... 20 pièces... Ouais, c'est quel mini-jeu là? C'est lui qui choisit en plus. Oh bah ça c'est facile. Les ordi, même en difficile, ils sont nuls à ça, donc...
Ok, let's go. Merde. Ok. J'ai fait un peu n'importe quoi là. Bah mourrez non. C'est bon. Je spam et il meurt, c'est la honte. Mais ils sont morts en même temps. Je sais pas s'ils avaient égalité ou pas. Une égalité stricte, bah en théorie, ouais, je sais pas. Allez, vas-y. Tu dis pas le classement? Ok, bon, 56 pièces, ça me va, ça me va. Mais Bowser Jr. se rapproche dangereusement de pouvoir voler une étoile. Et s'il vole une étoile, on sait très bien qu'il va la voler à moi. Donc ça ne me fait pas plaisir. Il n'y a pas de triple D. Ce serait bien en vrai. Je tombe sur quoi? Oui, triple D, y'a. Vas-y, j'ai largement assez. Comme ça, au prochain tour, si Bowser Jr. n'arrive pas à harmonier, je l'aurai au moins. Quand même. Même si ça fait perdre grave du temps, il faudrait vraiment l'avoir à ce tour. Hein. Je vois pas dans quel monde. Je vois pas dans quel monde j'arrive à avoir 7 étoiles. J'en aurai 5. Peut-être 6 avec de la chance. Mais en fait, j'ai pas assez pour les acheter quoi. Faut gagner un nombre énorme de pièces. Ah, t'as pas de chance. T'as vraiment pas de chance, mon pote. Là, je suis désolé pour toi, mais c'était vraiment, vraiment pas de chance. Mini-jeu bonus. Ah, j'aurais assez pour acheter 5 étoiles. C'est que la moitié du jeu en fait, en vrai. Hein. Stressons pas, toi. Tape un glisse. Okay. Pont en déconstruction. Ok. Tombez. Normalement, vous êtes nuls sur ces jeux. J'ai cru que j'étais Bowser Junior. J'ai failli faire n'importe quoi. Au début, ça sert à rien de courir. De toute façon, il y a ça qui illustre là. Voilà, on y va. Tant que vous êtes en vie, vous êtes un obstacle pour moi. Ah, j'aurais pu le pousser. Mais c'est risqué. Hein. Ah, voilà. Ah, je veux pas pousser. Ils sont normalement, voilà, ils sont. Bah, voilà. Je vais jusqu'à la fin. Ils sont morts tellement tôt que là, j'aimerais bien me jeter. Et tant pis, allez, soyons sérieux. Kirbendo, ne fais pas tomber ses couilles comme ça. Vas-y. Quand est-ce qu'il commence à détruire le sol, là? En vrai, il y a des moments où c'est chaud, hein. Je vois. Ah merde, ah ouais, d'accord. J'avais pas vu. Comment? C'est une blague? Wow. J'avais pas capté qu'il y avait du faux chemin. Jusqu'à maintenant, j'avais tellement toujours pris les bons que j'avais vraiment pas fait gaffe. Après, s'ils savaient sauter les persos, ça changerait tout. Normalement, dans Mario, les persos, ils savent sauter. Et là, non. Même Boo, il s'est volé, mais là, il peut tomber dans le vide. Bizarre. Bizarre. Alors. Voilà. J'ai 102 pièces. Pendant combien de temps? Quelques temps, je pense. Parce que là, ils pourront plus aller au bout. Je pourrais même voler une étoile, mais... Non. Quoique... Ça coûte trop cher en fait, c'est ça le problème. Ah non, mais je suis bleu. Ah non, je suis pas bloqué, ok. Ouais, je pense que la strat va me forcer à voler une étoile. Et après, faut que je gagne plein de pièces avec Harmonie. A voir sur quoi je tombe en fait. Avec le triple D. Je pense que ça va dépendre de ouais, sur quoi je tombe avec le triple D. Et là, t'envoies quoi. De toute façon, on s'en fout, t'es toute seule là-bas. Voilà, ok. Dépouille-toi de tes pièces toute seule. Ça sera très bien. Ça me dérange pas du tout. Les bulles de lave, voilà. Waouh. Bowser Junior. Ah ben non, mais il va peut-être l'avoir en vrai. Il l'a. J'espère. Ok. Enfin, j'espère. Oh, ça fait que son pouvoir, ça va rien me faire, mais tant pis. Très bien. Lançons le mini-jeu de défi. Yahoo. Et qu'est-ce qu'il a comme bonus, Bowser Junior? Je ne sais pas. Aïe aïe aïe, je vais augmenter de ouf pour les étoiles, c'est trop trop bien. Mais si je termine la partie avec 6 étoiles, je vais pleurer. Sa mère. Comment ça, avec un objet vous donnant un avantage? Ah, je sais même pas comment je dois la tenir, la manette. Aucune idée. Ah oui. Ah oui, l'autre il est parti à l'autre bout. D'accord. Je crois que je la tiens correctement. Hein. Mais attends, mais comment tu peux le rattraper là? Bah, facilement parce qu'il est nul. Enfin, pas si je fais ça, mais. Faut trop pencher la manette, je trouve. Enfin, et des fois, non, je sais pas.
Je sais pas trop comment ça peut faire qu'on rattrape en faisant ça. Mais pourquoi pas. Je l'ai rattrapé, c'est bon, je suis premier. Il est trop bien ce mini-jeu. C'est l'un des meilleurs. Au début, ça me saoulait de voir Harmony encore dans un truc de neige. Mais en fait, on s'en fout un peu. Surtout que ça finit par être sur la route arc-en-ciel. Donc, wouhou! Oula, oula, oula. Non, 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 non. Ok. Allez! La route arc-en-ciel, il n'y a pas de vide, je crois. Hein. Je me souviens plus trop. Babadou! Je sais pas pourquoi elle dit ça. C'est trop bizarre. Babadou! Ça veut rien dire. Allez, tata! Il est pas trop loin derrière. Hein. Donc normalement ça va, mais faites-en pas n'importe quoi, surtout que ça c'est abusé. Parce que les accélérateurs, lui, il voit où ils sont. Alors que moi, non. Yes, 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 yes! Il me rattrapera pas à la toute fin quand même. Je serai dégoûté. De toute façon là, merde, c'est simple, c'est droite-gauche, droite-gauche, merde, pourquoi je loupe tout le temps le deuxième, yes, non, non, c'est bon, tu peux plus me rattraper, enfin, si, il peut, hein. Merde, les accélérateurs que je ne vois pas, merde, non, tu me rattrapes pas maintenant, j'arrive pas à me diriger correctement, vas-y, c'est la fin là, hein. Yes. Il a pas réussi le saut donc... Non 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 les turbos oh. Mais lui il va même pas prendre les turbos. Oh bah c'est bon. Yes. Je peux acheter mes étoiles. Mais d'abord il faut essayer. Attendez mais en fait faut pas qu'il me vole Harmony. Il y a ça aussi. Je vais pas utiliser le bout. Mais attendez elle est où l'étoile? Parce que ça change tout ça aussi. En fait le truc c'est qu'il faut qu'avec mon D-triple, je fasse énormément. Y a pas le choix. Ouais, très bien, merci. Ah, on y coupe à son camarade! Parce que s'il me la vole, bah voilà, la stratégie, elle est niquée, c'est fini. Parce qu'en fait, là, y a pas trop... En fait, le problème, ouais, là, la map, elle est pas de mon côté du tout. Si je me TP à l'étoile, en vrai... Non, bah après, c'est Toadette qui va me le voler. En fait... Bah ouais, mais non. J'ai pas de place. Tu me forces pas, hein. Oh, membre du club d'Harmony. Let's go. Non, j'ai pas de place, donc on le vire. Bon, ça aura été une partie, j'aurais eu pas mal de succès, en vrai. En fait... Ça peut aller. Je peux éviter Bowser Junior. Je pense qu'il m'aura pas. Faut que je fasse beaucoup. En fait, c'est juste ça. Comme ça, je vais pouvoir lui voler une étoile. Vas-y. Mais faut vraiment que je fasse beaucoup, hein. Ok, 7. Non. C'est pas vraiment ce que j'appelle très beaucoup, hein. Parce qu'il va pouvoir me rattraper. Ah ouais, non, j'ai vraiment pas... Oh! Il va me voler Harmony. Il va me voler Harmony. Je... Oh là là. J'aurais dû utiliser Yu tout de suite. En plus, je vais même pas voler 2 étoiles. Je vais voler des pièces à Bowser Jr. Bah, il est pas obligé de me la voler, hein. Il peut faire trop peu. Mais à voir. Gratuit. Et on s'en fout là. Enfin non, on s'en fout pas à lui. Ça, il pourra pas me voler d'étoiles. C'est là, j'ai que 2 étoiles, hein. Et il reste que 5 tours. Hein. Bon, par contre, on connaît l'animation. On est pas obligé d'y rester tout le temps. Merci. J'ai pris un sacré risque et ça paye pas. Je suis dégoûté. Ouais. Non, me la vole pas, je t'en supplie. Ah non! En vrai, il peut ne pas me la voler. Ça dépend combien il fait. Il a pas de double D. Il peut ne pas me la voler. Ça va être un tour de stress. Parce qu'on n'en sait rien du tout. Ah ouais? Ok. C'est à la fin du tour, je croyais que c'était au début. Ah non, c'est parce qu'on était 2, c'est vrai. Vas-y. Bon. Comme ça, au prochain tour, je peux aller chercher l'étoile. En plus, là-bas, je serai safe. Ce qui me fera passer à 4. Et après, je pourrai passer à 6. Enfin, si j'ai assez de pièces, ce qui n'est pas sûr. Vas-y. Faut juste pas qu'il me la vole. Je t'en supplie, Bowser Junior. Ne me la vole pas. C'est
tout ce que... En fait, faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois qu'on est à 8 ou 9 cases. Faut pas qu'il fasse 10, en fait. Oh, on s'en fout, vas-y. Ça, c'est rapide. C'est quoi, c'est le bouton A? C'est le bouton A ou c'est tapé? Je sais plus, c'est le bouton A, je crois. Vas-y. Ouais. Mon record de 79 qui sera jamais battu. Ça me paraît beaucoup trop. Mais vraiment, je suis trop nul pour ce genre de jeu. Comment j'ai fait pour faire 79? Vous dites dans les commentaires c'est quoi votre record. Gacha. Les domi-twomp. Ah non, c'est bizarre dit comme ça. J'ai pas battu mon record, j'ai fait exactement pareil. Je sais pas comment c'est possible, j'ai fait exactement pareil. C'est probablement le nombre de fois que j'ai appuyé sur le bouton, on est d'accord? Arrêtez de chialer là. Et me voler par moi, par pitié. Tout ce que je demande. Y'a pas quelqu'un qui a un téléporteur? J'espère pas, hein. Parce que ça pourrait être l'une des nombreuses stratégies pour me voler Harmony. Là, j'aurais préféré que le terrain soit gigantesque. Enfin, il est gigantesque, mais... Pas comme je veux. Dernière ligne droite, on connaît. Y'a que Luigi qui a un téléporteur, il joue après moi, donc c'est parfait. Ouais, allez! Zou! Fin du tour, enfin on s'en fout, tout est doublé, très bien, les duels, le bonus de la tortue, merci d'avoir rappelé. Je vais stresser jusqu'au tour de Bowser Junior. Bah après il joue en deuxième, hein, mais... Ok, très nul. Bah au moins elle évite de se faire flamber le cul, mais voilà. Pourquoi elle a pas joué son double D? Ça sert pas à grand chose, mais oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Tout repose là-dessus. Oh! Hein? Ah non, j'ai eu peur. Ok, c'est bon. Parce que s'il allait là-bas, ça aurait été un problème pour l'autre tour, en fait. Bon, bah, les gens, 4 étoiles, c'est sûr. Mais donne-moi un objet nul. Ok, c'est bon. Waouh! Waouh! Incroyable, ma belle, incroyable. Donc, le seul stress, c'est est-ce que je réussirai à avoir une étoile de plus sans qu'on m'envole? C'est ça la question qu'il va falloir se poser après. Parce que 9ème tour, j'aurai d'autres étoiles. Une de plus, c'est pas la mort normalement. Il me restera 3 tours. Donc je pourrais avoir. Tout va jouer à la fin. Et j'aurai quand même un dépipé d'avance. Donc. Ok, on s'en fout. Ouais. Yes. Bah oui, bien sûr que je prends 2 étoiles. Est-ce que je gagne le prochain jeu? Normalement, oui. Hein. Si je gagne le prochain jeu, je peux me permettre de prendre un double D maintenant. Là, c'est encore une fois un truc très risqué. Il me manque 3 pièces pour acheter les 2 prochaines étoiles. Le truc étant que... Ah, mais il y a la marée basse, donc l'autre, elle va pouvoir avancer. Non, vaut mieux prendre les pièces. Parce que le double D aurait pu être utile plus tard, mais c'est pas sûr. Alors que les pièces, c'est pas utile plus tard, c'est forcément utile. Ah, mais... Vaut mieux avoir un max de pièces. Le détruqué me permettra peut-être, je sais pas, d'aller à la boutique, je sais pas, de faire un truc. Mais en tout cas, je pense que c'est mieux de jouer comme ça. Apparaît pas là où je suis. Nique pas ma stratégie. Ok, c'est bon. Parce qu'il m'aurait volé Harmony et c'est bon, on aurait pas pu acheter 2 étoiles le prochain tour. Mais attendez, mais j'ai les 4 étoiles, donc j'ai eu un succès, j'ai même pas vu. J'ai même pas fait gaffe. C'est peut-être à la fin du jeu, hein. Je ne sais pas. Bon, allez. Merci. Mini-jeu! Et on a le choix entre quoi et quoi là? Merci, on sait. Mini-jeu à 4. Ouais. Pourquoi elle prend les boules? Genre, c'est pas particulièrement dur, je suis sûr que je gagnerai, mais c'est trop long. C'est parti! Si seulement c'était l'étoile des mini-jeux. Ça aurait été tellement cool à la fin. Ah, ok. Parce que ça, je l'aurais eu, hein, c'est certain. Ok, mais tombez, non, vous êtes nuls, normalement. Ok, non, non, non. Vas-y, elle est morte. Non! Comment c'est possible? Ok, c'est bon. Ouf. Surtout que le sol, il glisse pas mal. S'il y avait le truc de gagner tous les mini-jeux, j'aurais sûrement gagné. Bah non, j'aurais pas gagné, vu qu'il y a eu un mini-jeu 1 contre 3 ou... Bah celui de mon équipe a réussi à perdre. Gros naze. Ok. 67 pièces. Donc j'ai assez pour en acheter 2. Plus en acheter une dernière. Hein. Voire même la voler. Encore 4 tours.
Je stresse. Marée basse. J'ai peur de Bowser Jr. et de son vol d'étoile. Ça m'inquiète. Ah, quoi? Elle joue pas son beaucoup de dés. Non, parce qu'il y a toujours les pots debout. Oh! Pas révolution Bowser. Tout sauf ça. Ouais. Surtout que tout le monde se rapprochera des 50 pièces, donc c'est pas ouf. Hein? Ah, t'es obligé de perdre une étoile. Ok. En mode pro, t'es obligé de perdre une étoile. Waouh. Ça, ça me fait plaisir. Merci. La moitié des pièces retirées. Ouh. C'était marrant, hein? Ouais, pour toi, faux Bowser. Bowser Junior. Il y a une micro chance qu'il arrive sur l'endroit où je suis. Micro, faudrait qu'il fasse 10. Et peut-être même pas. Hein. C'est bon, on est sauvés les refs. Ouais, vas-y, ton double D. Wouhou. Ouais, non, pas ouais. À mon tower. Et c'est le dernier tour où il y a Harmony. Merci. Champi. Pas le tuyau, tout sauf le tuyau. Ah, bon, si tu veux. En vrai, vol de 10 pièces, c'est pas dingue. Alors, tuyau doré, oui. Je réfléchissais, hein. Je me disais, est-ce que c'est bien ça qu'on faisait? Je sais plus. Et là, let's go. 2 étoiles de plus. Et en plus, vous pourrez plus me voler Harmony. Enfin, peut-être que Luigi va la voler, mais elle part à la fin du tour. Donc, qu'est-ce que vous voulez, là? Ça aurait été très rentable de prendre les 3 tuyaux dorés. Yeah. Et ouais, 2 étoiles. J'ai pas assez pour en voler, mais j'ai assez pour en racheter une. Sauf qu'il y aura que 3 tours. Tout va se jouer là, tout va être décisif ici. Et faut pas qu'on m'envole, faut pas qu'on m'envole, faut pas qu'on m'envole, faut pas qu'on m'envole, faut pas qu'on m'envole. Félicitations Ok, j'ai fait pause, d'accord. Félicitations Koopa. La prochaine étoile, elle est juste là. Ah, c'est pas si loin de moi, hein. Non, c'est même vraiment pas loin. J'ai fait combien? Oh! Et en plus, je tombe là-dessus. Oh non. Je vais pouvoir la voir. Oh my god. Ah. Bah non, mais avec le dépipé, je l'aurai. C'est sûr. Je vais voler cette étoile. Ah oui! Oh, deux dépipés. Voilà qui est intéressant. Je sais pas. C'est toujours peut-être mieux que le piège pique 10 pièces, là. Luigi time. D'ailleurs, il n'y avait pas la conque démarrée. En mode pro, ils l'ont retiré. Ouais, toi, tu l'auras pas. Hein. Bowser Junior, il n'y a aucune chance aussi qu'il l'ait. Il est trop loin. Tu aurais pu l'avoir. Mais si t'as vu un tour de plus. Ah, par contre, Bowser Junior, tu l'as fait pas bouger l'étoile. C'est vrai que j'avais pas vu cette éventualité. Et il peut faire aussi un double dé pour l'avoir. En fait, c'est pas obligé que je l'ai. Il y a quelques paramètres à prendre en compte. Elle est toute seule. Vas-y. Tu me connais pas à choisir ce mini jeu Toadette. Parce que normalement je ne perds pas ici. Allez. Par contre, faut que mes camarades perdent. Ok. Elle est trop bête. Alors, si mes camarades perdent pas, par contre, moi ouais, c'est comme ça que je perds en fait. Mais elle appuie jamais sur le bouton. En fait, elle laisse le jeu se faire tout seul. Ok, il reste 10 secondes, elle ne fait absolument rien. En fait, elle a capté qu'elle pouvait pas gagner. Ça doit être ça, hein. C'est bon, hein. C'est fini, hein. Le truc qui est nul, c'est que je fais gagner toute mon équipe. Et je me dis que faire gagner Toadette n'aurait peut-être pas été si bête vu qu'elle n'a plus de pièces. Alors que les autres, ils se rapprochent des 50. Et ils vont me voler. Mais si j'achète à ce tour-là, peut-être que ça fait le succès tout de suite. J'espère que c'est pas compté à la fin de la partie. Parce qu'en tous les cas, j'ai gagné. Hein. Ils me voleront pas toutes mes... Enfin, j'en sais rien. Hein. Je sais pas. Bye. Tu m'as bien aidé. Merci, Harmony. Je savais pas que je l'aimerais autant. Mince, Harmony s'en va pas. Mince. Enfin, quoi que si je l'avais encore, ça aurait été mieux. Quoique non, j'aurais pas pu acheter 2 étoiles. Mais c'est pas grave. Elle est double D. En fait, elle attendait que les pots de bout disparaissent. Ok. Waouh. T'achètes un truc? Oh, elle tombe sur la case malchance. Et elle donne à qui au premier? Ouais. Un perdu pour perdu, oui. Vu qu'elle perd les pièces. Ah, quoi? Elle donne à celui qui est en dernière position. Mais non, ils ont tous de quoi avoir un bout. Ah, mais il y a la marée haute après. Ah, ah. Ça me va, ça me va.
J'ai peur. J'ai peur. Il s'arrête juste avant, chez. Là, la chance, elle est vraiment de mon côté. Bah. Ah, il veut rester bloqué ici. Pas con. De toute façon, il sait très bien qu'il l'aura pas, donc pas con, pas con. Yeah. Surtout que les deux derniers tours sont en maréo, donc ça vire plus debout. Mais je suis sauvé, en fait. Genre, c'est terminé. L'étoile, il faut que je fasse 9... 8. Attendez. Je peux faire 10, hein. J'irai pas au bout, mais vas-y. Objet. 10. Wahoo! Ouais. Je suis stressé. J'ai peur de faire un faux mouvement, là. Vas-y, 10! L'un des défis que je pensais les plus difficiles du jeu. Terminer avec 10 étoiles en pro. 7 étoiles en pro. Je vais l'avoir réussi à mon deuxième essai. Alors que même à ma première partie, j'essayais même pas de le faire. Donc c'est comme si c'était mon premier essai. 7 étoiles. Attendez, ça donne le succès ou pas? Allez. Non. Non, ça donne le succès à la fin de la partie. Et mais c'est génial ça. Bon, normalement personne n'aura de boue, hein. Tu vends quoi toi? Ah. Ça me permettrait d'aller chercher l'étoile. Ouais. Ok, des triples dorés, vas-y. Ça me permettrait d'aller chercher l'étoile. Je me rembourserai et j'en aurai 8. Parce que je sais pas, à voir. Elle est à 12 étoiles, enfin 12 cases, c'est pas loin du tout, hein. Et attendez, mais en fait, il n'y a pas de boue. Pourquoi je veux stresser, c'est vrai? Bah non. Luigi, il va sur mon île ou pas? Même pas? Si? Bah non, il n'y arrivera pas. Donc en fait, personne n'aura de boue. La partie est gagnée pour moi. J'aurai les 7 étoiles quoi qu'il arrive. Et il y a une étoile à acheter ici. Peut-être que Luigi l'aura, je n'en sais rien. Mais à ce stade, je m'en moque en fait. Ça ne change rien du tout. Mini-jeu! Avec Bowser Junior. Vas-y, je m'en fous. Ah non, mais mini-jeu de pièces, c'est pas le mieux pour moi. Bon, c'est pas grave. Ça marche comment déjà comme ça et tu jettes et... Ouais, bon, bref. Je sais. C'est bon, ça m'est revenu. Plus que deux tours. Plus que deux tours, les refs. Vas-y. Voilà. Faut avoir le gros, là. Pas lui, on n'a pas le temps, mais lui. Vas-y. Yes. Okay. L'autre gros. Après, ça donne pas tant de pièces que ça. Bah, oui. Yes. Oh. Merci. Bon bah là faut avoir les petits quoi, on s'en fout. Non mais j'adore, 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 vraiment c'est incroyable. Le jeu est tellement bien fait. Vas-y. Bah non, quoique, quoique, quoique. Je... C'est pas possible. Y a un bug. Ok, parce que j'ai besoin de pièces en fait, c'est ça le truc. Merde. Vite, 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 vite. Le pire jeu de tournoi reparti, genre 9 pièces. Bah après j'ai le triple des dorés, donc dans tous les cas, soit je fais assez de cases pour aller chercher l'étoile et j'ai assez d'argent pour en acheter, vu que c'est le triple des dorés. Soit bah, je fais pas assez et de toute façon j'ai pas assez d'argent mais je suis pas à la case donc oui il faut que je fasse 3 enfin non elle est à 12 mais bref si je fais 12 c'est bon j'ai assez de pièces. Encore deux. À moins que Toadette l'achète, c'est devant elle non? Bah 0 pièce 0 étoile. Ça me fait de la peine. Le pauvre qui se noie. Ah je croyais qu'il l'a amené sur l'autre île là. Allez, plus que 2 tours. Ah bah oui, mais il est pas sur ma route. Oh, c'est dommage. En vrai, le mieux serait que j'aille chercher Mario, hein, plutôt qu'aller chercher l'étoile. La vérité... Après, il est un peu loin. Hein. Parce qu'en fait, comme ça, j'utiliserai son pouvoir. Ah. Peut-être que Luigi pourrait l'avoir, Mario. Bah non, c'est vrai qu'il a été ramené sur l'île d'avant. Ah, ça, c'est dommage pour moi. Bon, allez, tourner en rond pour les derniers tours, ça ne sert absolument à rien. Vas-y, vas-y. Waouh. Ok. Oh non. Ça me saoule, ça sert à rien. Vas-y, mini-jeu duel.
17, c'est... Heureusement qu'on le voit pas le mini-jeu, parce que là c'est complètement inutile. Tout le monde est prêt, en garde! Yo! Qui a gagné? Luigi, on s'en fout. On s'en fout. Vraiment inutile. Ok, je fais ce que tu veux, 10 pièces si tu veux. Ils ont à peu près le même nombre de pièces. À mon tour. Mario, il a combien de cases? Mais en fait, je peux pas l'avoir, Mario, il n'y a aucun monde où... Ah ouais, c'est dommage. Ah, c'est con. Oh. Ouais, bon, tant pis. Ça aurait été bien. Mais c'est pas grave. Parce que je l'ai jamais eu en camarade de Jamboli, donc ça m'aurait fait gagner son succès. Vas-y. Ok. J'ai l'étoile, là. 7, 7, 7. Non ! Punaise. Ouais, 18 pièces, merci. Par contre, en 12 tours, avoir réussi à récupérer 8 étoiles, ça me paraît incroyable. Je sais même pas comment expliquer comment c'est possible. Mais si, ça l'est, hein. Aussi étonnant que ça puisse paraître, ça l'est. Ouais, allez. On s'en fout, hein. La prochaine fois, je pourrais me TP. Vas-y, boîte de téléportation, je l'ai jamais utilisé, donc... autant le faire une fois, je crois, hein. Peut-être pas. Allez, boîte de téléportation, maintenant continue ton tour. Imaginez, ça me ramène à côté d'une autre étoile. Ce serait dingo et pourtant possible. Je tombe pas sur une case Bowser. Y'a pas de case Bowser, là, si? Non. Si case Bowser, tu perds une étoile. Hein. Parce que là, je vois une case rouge et je sais plus ce qu'il y a derrière. Non, y'a pas de case Bowser. Ok, la case Bowser, on l'a déjà passée. Donc c'est bien. Allez, on s'en fout de la dernière étoile, personne l'aura jamais, de toute façon. Oh, toutes les pièces gagnées. En fait, je me fais rembourser. Je termine le tour avec plus de pièces que j'en avais au début. Sachant que j'ai acheté une étoile. Plus un objet. Eh, mais j'ai pas été le dépipé en plus, hein. Je sais plus. Ok, récupère de la merde. Bon, s'il y avait l'étoile des pièces, par contre, c'est peut-être pas moi qui l'aurais eu. Mini-jeu bonus. Alors. Je propose quoi? Ouais, ok, merci. Y'a même pas de roue, parce que là, de toute façon, c'est décidé d'avance. C'est parti. Luigi, elle est un peu dangereusement près du magma, mais pourquoi pas. Ah bah déjà. Ok, ça commence bien. Comment ils ont fait pour survivre alors qu'il y avait 1000 trucs autour d'eux? Et là, ils meurent quand il y a rien. C'est toujours comme ça, en fait. Non. Il y a des moments où le mini-jeu, il est pas facile, hein. Oula. En fait, j'aime pas quand il plonge. Quand il plonge, c'est chaud, en fait. Parce qu'ils prennent vraiment une portée incroyablement grande. Ouf. Victoire. Allez. Le dernier tour, je suis rassuré. Il ne peut rien m'arriver de mal. Même tomber sur une case Bowser, c'est devenu impossible. Donc là... Quoique, c'est pas impossible. Si je me téléporte. Y avait pas un truc sinon que je pourrais faire autre? Joue ton double D, on s'en fout. En vrai, je pourrais... Mais non, le dépipé, je l'avais joué. J'avais fait 10, non? Oui, je l'avais joué. Là, faut que je dise le dé de téléportation, parce que c'est un objet que j'ai pas fait. Je vous rappelle qu'on gagne un succès en ayant utilisé tous les objets du jeu. Il y en a beaucoup. Donc ça va être long. Yeah, ouais. Jette ton dé, vas-y. Ça sert à rien, tu tournes en rond, et on sait que tu vas gagner dans tous les cas 10 pièces. Il ne peut se passer que ça. Ah non, par contre, Luigi, tu tombes pas sur la même case que Bowser Junior. On n'a pas que ça à faire d'attendre encore. Vas-y, objet. Et boîte de téléportation. Case d'un adversaire. Ah oui, c'est pas un tuyau. Ok. Je préfère ça que les autres, parce que sinon j'aurais eu des défis. Ah mais... Ça aurait pas été mal d'avoir des défis. J'ai besoin de faire 3 défis, c'est l'un des succès. Et j'en fais jamais. Personne m'en propose jamais. Ok. Et on termine bien avec 60 pièces, 8 étoiles. Puis peut-être 70 pièces d'ici quelques temps là. À toi Luigi. Et qui aura eu l'escargot? J'ai l'impression que tout le monde a énormément marché. Ça va se jouer à pas grand chose. Non, il tombe sur la case de Bowser. Pas de Bowser Junior. Aïe. Bon, c'est tout ce que je voulais pas. Allez. Voilà, 46 pièces.
Je vais comme vous voulez. On s'en fout de qui gagne, ça ne change absolument rien à la vie de personne. Tout le monde est prêt, en garde! 92 pièces pour Luigi, c'est pas mal, hein. C'est dommage qu'aucun d'entre eux n'ait pu acheter une étoile. S'il y a une personne qui a acheté une étoile, mais cette personne se l'est faite voler. Et c'est Toadette en plus, c'est aucun des deux. Donc c'est celle qui après s'est retrouvée quasiment toute la partie sans étoile, sans pièce. Ça me fait de la peine. Et on termine par un bon truc, allez s'il vous plaît, en beauté. Que des trucs de pièces. Non, je veux bien les sandwichs, ça fait longtemps que j'ai pas fait et c'est l'un de mes préférés du jeu. Yes! Le jeu est vraiment de mon côté. Je suis trop content. C'est parti! C'est parti! C'est l'un des mini-jeux que je préfère de ce jeu. Il est vraiment trop cool. Oula. Ok. Bon, il y en a pas qui veulent mourir là? Vous survivez un peu trop à mon goût. Oula, oula, oula. Ok. Attendez, comment ça il survive autant que ça là? Il est l'heure de mourir! Ou pas. Ah mais il y en a une qui est morte. En fait, ils font pas beaucoup de bruit quand ils meurent sur ce mini-jeu. On peut aller au sommet du panier, j'imagine. Il doit y avoir un sommet du panier si on survit jusqu'à la fin du temps. Ce qui paraît compliqué de survivre jusqu'à la fin du temps. Hein. Ok. Mais on va peut-être y arriver. Oula, oula, oula. Bon, Luigi, c'était un... Enfin, Luigi, c'était un peu bloqué. Non, j'ai failli mourir. Ah ouais, ça devient de plus en plus chaud, là. Je vais mourir. Merde! Ah, j'ai perdu! Alors qu'on était presque à la fin. GG Luigi! Mais tu mérites pas d'avoir la victoire de toute façon. Enfin, tu mérites pas d'avoir la victoire finale, c'est moi qui l'ai. Yes! C'est terminé! C'est le moment d'annoncer les résultats! Tout le monde a été incroyable! Oh, elle a mon petit drapeau! Alors, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, montre-moi qu'on rigole. Qu'on rigole un bon coup. Coupa augmente. Toadette augmente. Toadette descend. Coupa augmente. Coupa augmente. Coupa augmente. Mais il y a quasiment la à chaque... Enfin, oui, à la moitié des tours, j'ai gagné des étoiles. C'est une folie. Bonus de la tortue. Je pense pas que ce soit moi, hein, mais voilà, Luigi. Il termine quand même avec 2 étoiles. Pas mal. Pas mal, mon frangin. If Mario's had only bro... If Luigi then only bro... Come on, come on. Il se chie dessus, Koopa. Non, 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 et... Wow! Myriade d'étoiles première partie, pro en devenir! J'ai jamais débloqué autant de succès d'un coup! Donc c'était bien dans la besace à la fin. Donc fallait réussir à les garder, hein. Fallait pas qu'un bout les vole. Mais c'était le bon terrain pour ça. Parce que, bah, y a pas beaucoup de bouts. Alors, j'ai eu 2000 points. Ensuite, j'ai les points des mini-jeux. Et ça sert à quoi? Je sais pas. Pourquoi ils donnent des points? Ok, on voit les pas. Allez, j'en ai fait 104 quand même, hein, et l'autre 58. Ok, bonus des étoiles, place atteinte, et donc j'ai débloqué 6 exploits. S'arrêter sur une case malchance, avoir harmonie en camarade et obtenir un objet, avoir 4 étoiles ou plus, 7 étoiles ou plus, et gagner une partie en mode pro, finir coup sur clou en moins de 24 secondes. C'était vraiment la partie masterclass. Yes, rang supérieur. Oh là 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 là, j'arrive à 33. Oh. Et à 50, il y a un dingue. Mais par contre, j'ai gagné quoi avec le rang? J'ai même pas vu. Sûrement rien d'intéressant. Nouvelle activité. Ah ouais? Ah bah j'ai gagné une nouvelle activité. Très bien. Pour terminer cette vidéo, je cherche les bonhommes. Là, il y en a un. Et je pense que je l'ai déjà eu. Ça ressemble à un truc que j'ai déjà... Ouais, c'est bon. Eux aussi, on s'en fout. Oh, c'est le Bilbal. C'est rare, donc ça donne beaucoup de points, mais bon, bah... C'est dommage, j'ai déjà... Alors, je regarde juste les exploits pour voir si j'ai vraiment tout fait en pro. C'est là. Et ouais, en pro, j'ai eu... Et tous les exploits. Mais ça va être dur d'avoir tout le reste. Oh là là. En tout cas, les gens, nous, on va rester là pour cette vidéo de Super Mario Party Jamboree. Si vous voulez que je continue le pro, dites-le dans les commentaires parce que j'ai tout fait, mais je peux aussi faire les autres plateaux. Hein. Bref, n'oubliez pas de laisser plein de pouces vers le haut, de commenter, partager et de vous abonner. Et à demain pour de nouvelles vidéos Mario Party Jamboree. Salut!